Qu'est-ce que c'est que ça? On m'appelle le chèque bleu. J'ai dans mon royaume des palais somptueux, grouillants de serviteurs, mais je saurais me contenter de votre humble fortin pour faire étape. La somptuositude du désert, c'est pas mieux pour planter sa tente? Allons, ne soyez pas rustre. Monsieur le chèque a besoin de repos et d'un peu de chaleur humaine. Merci, charmante gazelle. Venez donc plus tard vous initier au mystère de l'Orient. C'est un pénitencier ici, pas un camping. Pauvre cheval, il a le dos tout déformé. Ça me donne comme une idée. Je vais te masser, ça va te faire du bien. Pousse-toi, toi. Rentrez là-dedans, je me fais passer pour le chèque et on se fait la malle. Hé! 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 Un tour en dromadaire, comme c'est excitant! Hydrodro! Charmante, mais le vaisseau du désert n'obéit qu'à moi. Faut trouver autre chose. Moi aussi, je peux être un prince du désert. Qu'est-ce qui conduit mal, Joe? Ce cheval a aussi les jambes très mal fichues. Si cela vous a plu, je possède une autre merveille pour une promenade plus aérienne au clair de lune. Nous dînons à 7 heures, cher chèque. Bienvenue dans l'Ouest, le vrai! C'est ridicule, cet esprit de compétition entre garçons. Le voilà! Je viens avec mes suivantes, Athos, Porthos et Aramis. Elles étaient dans la bosse. Seriez-vous jalouse? Quelle est belle! Venez vous asseoir, ma chère. Vous sentez bon le sable chaud. Quittez, ça vous dirait d'échanger mon dromadaire contre 4 chevaux? Vous n'allez pas déjà nous quitter? Nous avons tant de choses à nous dire. Oh oui, restez quelques jours. Vous nous raconterez vos aventures, ça doit être captivant. Bon, faut que j'aille coucher les petites. Mais Aramis va rester vous raconter des contes orientaux, c'est une spécialité. Quand il s'endort, tu piques la clé du pénitencier. Alors, le lutin des patates sauta sur sa tranche de l'art magique. Oh, qu'est-ce qu'il fabrique? Chèque? Lui? Vous parliez d'une promenade au clair de lune. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La fontaine des mille sorties. Hop, hop! Et voilà! Bonne nuit! Je suis bête, j'ai cru que vous possédiez un objet qui permettait de s'envoler. Chèque? Je raccompagne l'appel à Ramis. Elle s'est endormie. T'as un truc qui permet de voler, toi? Le tapis! Trouvez-moi un tapis comme ça! Ah,
précis où il est. Le chameau. T'es sûr, Joe? Quelqu'un a une meilleure idée? Suffit de regarder les dessins. Vous ne dormez pas? Cette histoire était tellement excitante. Suffit pas de regarder les dessins, abruti, faut appuyer sur les bons. Prendre Avrel pour une princesse. Oh, quelle honte! Félicitations pour l'hospitalité occidentale. Mais à la beauté, tout est pardonné. Au revoir! Dans 5 minutes, on sera très, très, très loin. Je ne crois pas, non. Avant de voler, un prince pense à faire le plein. Belle gazelle, votre sourire aura été le soleil de mon séjour. Et il repart, clopin-clopant. Quelle brave bête! Avrel, tu viens avec moi. J'ai trop envie de connaître la fin de l'histoire. C'est vrai, il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour s'évader. Pas vrai, Joe? Kevin est un très vieil ami. Il habite un village perdu au fin fond de la Californie. Hollywood, je crois. Oh, le voilà! Oh, mon vieil ami, quelle joie de te recevoir ici. Quelle bonheuritude. Voilà, mon pénitencier te convient-il? Formidable, merveilleux. Ce pénitencier est exactement ce qu'il me faut. J'adore. Samantha, matériel. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Imaginez, la vie carcérale telle que vous ne l'avez jamais vue. De l'émotion, du mélodrame, du mystère, du glamour et de l'aventure. J'ai appelé ça le bonheur est dans le bagne. Oh, c'est intéressant. Cela peut donner une image plus positive du pénitencier. Et attention, tenez-vous bien, c'est là que l'idée est grandiose. C'est le public qui, par télégramme surtaxé, désigne le gagnant du grand jeu. Ah, et quelles sont les règles de ce grand jeu? Aucune. Le public va simplement adorer regarder vivre des bagnards idiots. Au fait, il gagne quoi, le vainqueur? La liberté! Oui, l'heureux élu sera libre! Quoi? Mais c'est parfaitement immoral! Non, c'est le télégraphe réalité. Kevin, toutes les caméras sont en place. Pour une fois, on n'aura même pas à s'évader. On sortira par la grande porte et sous les applaudissements en plus. On n'a aucune chance, Joe. Tu sais bien que le public n'aime que les gentils. Et alors, on a qu'à le devenir. Gentil. J'ai la couronne. On me reconnaît enfin à ma juste valeur. Prosterne-toi, sujet. Je suis le roi Rentemplant. Oh, le gentil chien-chien. C'est bon, là, on me voit bien? Oh, j'adore les chiens. Beau chien, beau chien-chien. Pas de familiarité, mon brave. Gentil, Joe, gentil. Dégagez-moi ce nabo du cadre! Laissez-moi être gentil! C'est moi le plus mignon! Lâchez-moi ou je vous fais bouffer vos pattes! Vous voyez, Miss Betty, le jeu a une très bonne influencitude sur les Dalton. Même Joe veut être gentil. Hi-ha! Ça y est! Les premiers votes tombent! Et nos comptes en banque se remplissent! La grande finale a lieu demain soir! J'ai imaginé un show de dingue! Je le sens pas.
Cet abruti de Kevin ne me filme pas assez. D'après ce que j'ai entendu, on est les derniers dans le classement. Le public doit pas aimer les beaux gosses comme nous. Le public, on lui fait dire ce qu'on veut. Surtout si on trafique les résultats. Lequel de ces féroces bagnards quittera le pénitencier? Vous le découvrirez ce soir dans la grande finale du Bonheur et dans le bagne. Dans quelques instants, vous allez connaître le nom de l'heureux gagnant qui sera, grâce à vous, libéré. Mais avant, une page de publicité. Avant, je lavais les boulets avec une lessive ordinaire. Mais depuis que j'ai découvert Boulet Net, laver les boulets n'est plus une corvée. Boulet Net! Et je laisse le soin de désigner le vainqueur à mon vieil ami Peabody, directeur de ce magnifique pénitencier. C'est trop. Les bagnards qui vont nous quitter ce soir sont... les Dalton? Allô, Joe, qu'est-ce que ça fait d'être le grand vainqueur? Ben, ça fait plaisir. Et on s'y attendait pas du tout, hein. Bon, ben, maintenant, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on doit y aller. Chers spectateurs, vous assistez à la sortie des Dalton. Quant à moi, je rends l'antenne et vous dis à bientôt pour un autre numéro de Le Bonheur est dans le bagne. Poupée! Vite, il faut absolument que je les rattrape. J'ai un projet pour eux. Kevin, tu t'en vas! Salut la compagnie, c'est pour un retrait! Et mon code, c'est PA-PA-PA-PA! Mais ce sont les vedettes du Bonheur et dans le bagne! Oui, un autographe pour mon neveu! Les Dalton, attendez! J'ai de grands projets pour vous! Bonheur est dans le bagne. Ah, ouais, les Dalton, ensemble on va casser la baraque. Les mains en l'air. Les Dalton, vous n'aurez rien à faire dans un endroit paradisiaque et en gagnant des tonnes de dollars. Ce sera pas dans un pénitencier. Non, non, rassurez-vous, c'est une nouvelle émission. Cocotier, sable fin et mer turquoise. Bienvenue dans notre nouvelle émission, les aventuriers d'Alka Patatras, avec les célèbres Dalton. C'est pire que le bagne, je peux rentrer. Oh, les pauvres, c'est pas une vie. Moi, j'aime les bains de foule. C'est très important de rester en contact avec les populations. Alors, Frère Faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives? Visage pâle, beaucoup aimé les babioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, Coyote! Tu ne penses qu'à l'argent. Les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers. Assez! Vrai Faucon s'appellera désormais Vrai Faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Oh non! Vous avez vu ce que j'ai vu? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. À mon avis, faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Hugh, tunique jaune et frère rouge doivent s'unir contre tunique bleue, qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de roquet hystérique et accepte alliance avec frère en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Ok, mais après on s'évade. Recrue, un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez, dans la vallée,
tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères, un immense troupeau de 10 000 têtes. Chef, chef, les bisons sont de retour. Ah, mes yeux, ça pique. J'en peux plus, Joe. Ils sont où, les bisons? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recrue, pour être un bon indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de Sioux. Go, 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 go! C'est qui le plus futé? C'est qui le plus musclé? C'est qui le plus branché? C'est qui le plus doué? Ouais! Vive le qui t'es vénère! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres hamster souriant et Fennec qui pue du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible. Bon, Avril, tu passes le premier. Youpi! T'as oublié l'élastique. Ah bon? Suivant. Voilà, c'est bien. La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libre. Un traité de paix a été signé. Amnistie pour les sorciers rebelles. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oui, bon, ben, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route. Non, vous n'avez pas fini la formation. Vous, vous restez ici. Dis donc, l'enplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants. Alors tu nous sors d'ici ou je te vole dans les plumes. Langue de faux frère plus fourchue que baguette de sorcier. Personne ne bouge. Vous venez voir de l'orage dans l'air. Ça, c'est orgue. Technologie indienne très pointue, mais faut pas pousser non plus. Ouais! T'as quel souvenir, Equilibris, Calme Fantasy? T'as pensé à notre commande? Pull avec bonnet fantasy et parapluie indien. Visage pâle fait comment? Oh, liquide. Mais bien sûr. Ça sent bizarre, non? La liberté a un prix. Pour l'instant, elle a surtout une odeur. Pas sûr, regarde. Arrêtez ça tout de suite. Mais c'est qui ce dingue? La fleur, Jean la fleur, je suis le gardien du dépotoir. Oh, cher ami, une abominable méprise nous a conduits ici. Si vous aviez l'amabilité de nous indiquer la sortie... Y a pas de méprise. Vous êtes des déchets. Et les déchets, ils restent ici. Voyons, on n'est pas des déchets.
Ben moi, je vois là un déchet de melon, un de poisson, un autre de vieux poulet, et celui-là, il me semble bien être un reste de banane, non? Mais bien sûr, chef, on est les déchets. Pas de problème. D'ailleurs, je m'appelle Melon. Joe Melon. Ah bon? On est les frères Melon? C'est un plan. Ce fou doit connaître une sortie. Donc on fait ce qu'il dit et on le questionne habilement. Bonjour, chef. Vous faites quoi? Ça se voit, non? Des cubes. Et vous faites ça depuis longtemps? Oh, je sais plus. J'ai oublié. Ah, et vous avez bien chez vous? Ouais, c'est chez moi, ici. Vous sortez jamais? Pourquoi faire? Vous voulez sortir, vous? Oh, vous inquiétez pas, vous allez sortir. Oh, le brave homme, sous cette forme. Comme tous les déchets. C'est le grand cycle de la vie. Rien ne se perd, tout se transforme. J'avais dit pourri, le plan. Quelqu'un a jeté mon os. Un os à peine entamé. Quel gâchis. Si ce chien a pu rentrer, c'est qu'il peut sortir. Ne le perdons pas de vue. La vitesse ne suffit plus. Je vais utiliser la ruse. Oh, ton plan est devenu invisible. Utilisons notre flair. Allez, on cherche le chien. Où il est passé? 26, 27, 28, 29 et 30. Où êtes-vous? Mon os, enfin! Hop, 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 hop. Allez, je rentre. Là, la sortie. Hey, on ne bouge plus. Les déchets, ça s'évade pas, ça se recycle. Oh, là-bas! Oh! Oh! Hé! Hey! Oh, là-bas! Oh, oh! Vu! C'est un jeu de côté! Oh! On se tire! Regarde pas en bas, regarde en haut. Je regarde pas en bas, je regarde pas en haut non plus. Je regarde pas du tout. Vous ne pouvez pas interrompre le grand cycle. C'est votre destin. Toi, la banane, viens à moi. Non, je suis pas une banane. Mes petits déchets, j'arrive. Venez, venez. Je suis pas une banane. Le grand cycle cosmique a été respecté. Vise contre eux que je fais quatre têtes. Tenu. Perdu. Trois têtes seulement. À bout de la monnaie. Allez, les gars, ça suffit. Le jeu est un vice. Il faut savoir s'arrêter. Ah. Ah! C'est à cause du temps de trajet. Le pain arrive rassis. On ne peut pas faire notre propre pain.
du blé. On pourrait construire un moulin pour faire de la farine. Actionitude, vous avez du pain sur la planche. Hey Pete, vous cherchez pas des volontaires pour faire le pain? Ouais, tu parles volontaire pour s'évader, ouais? Pas du tout, c'est que nous, le blé, ça nous connaît. Excellente idée, réinsertion par le travail, j'approuve. Hey. Vous les surveillerez, bien sûr. Ben voyons. On va travailler, mais on n'a jamais fait ça, Joe. Mais non, c'est un plan. Quelqu'un peut m'aider? Un géant, c'est Godzilla. À l'attaque! C'est quoi ton plan, Joe? Vous voyez les roues de ce chariot? On les met là. Et on profite des vents d'ouest pour faire rouler le moulin et s'évader. Ça, c'est du plan. Hé, je suis tombé dans la neige. Hé, Meunier, tu dors? Tu crois que la farine, elle va rentrer toute seule sur ses petites pattes? Et reviens par là, toi. On y va. Fini le travail, à nous la liberté. Ils nous ont roulé dans la farine. Bon, ben on va arrêter là avec les jeux de mots rassis, hein. Je suis trop bon. Mais alors, on fait plus de pain? Si tu veux des pains, j'en distribue. Je vois pas comment ils pourront nous rattraper. Bête comme un Dalton, ça devrait être dans le dictionnaire. Chut! Chasseur discret comme petite chenille. Un temps pour petite chenille et un pour gros tomahawk. Tourne! Mais tourne! Je peux pas! Mon moulin va trop vite! Pâle se dirigeait vers grande cicatrice. Les Indiens abandonnent. Vous préférez quoi? Être scalpé par des Indiens ou aplati au fond d'un canyon? Ils volent. C'est pas Godzilla, c'est Goldorak. Joe, j'en veux plus. J'ai vaincu Godzorak. Oh, t'en plein? Qu'est-ce que tu fais là? Tous sur les ailes! Encore!
Lâchez! Vous avez mangé votre pain blanc, les gars! Au pain sec et un...